Bonjour et bienvenue sur bellemartinique.com. Bonjour. Bonjour Jeff. Yes. Aujourd'hui, nous sommes ensemble sur un grand événement. Nous y reviendrons tout à l'heure. Hein, en quelques mots, Jeff, je suis content aujourd'hui de te rencontrer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tu es très, très, très connu ici dans le monde musical martiniquais. Pas tant que ça, mais... Allez, en plus, tu es modeste. Bravo. Qui tu es ? Raconte-nous un petit peu qui tu es. Écoute, moi je fais de la musique depuis fort longtemps, je suis d'abord guitariste et il se trouve que je n'aime pas faire... Je touche à tous les métiers de la musique, en fait je suis arrangeur, je réalise des albums et je mixe à l'occasion des choses très diverses comme des albums comme on a vu là ou des choses très techno parce que j'adore la musique électronique. Donc je touche un peu à tout. Je suis arrangeur, guitariste, compositeur. Oui, voilà. Donc tu vraiment la musique est au cœur de toi. Voilà, hein, c'est ça. Je dis que je suis musicien, je suis pas guitariste, j'ai pas une casquette, j'en ai plusieurs. C'est ça qui fait l'ensemble des choses. Tu as fait des musiques de films aussi. Je fais des musiques de films. Voilà, c'est pas toujours évident, j'imagine. Non, que mais te dit, voilà, le film raconte ça, mets-le nous. Voilà, en musique, c'est hein. Ça, mais il faut, c'est l'inspiration, c'est le thème, ça dépend en fait. Il y a plein de façons maintenant de travailler avec les matières sonores très 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 diverses et en fait on a un choix de palette qu'il n'y avait pas avant et c'est très facile de composer. J'aime bien ton approche parce que tu vois tu fais de la musique pour toi, pour ton plaisir certainement, mais aussi pour les autres. Oui, et, bien sûr, oui. Et dans l'ombre tu es prêt à rendre service à tout le monde. Et bien ça, sûr, ça oui, vraiment non, très, c'est très important. Bien. En plus vraiment les initiatives individuelles sont pour moi très importantes et je suis toujours là pour donner un coup de main à des gens qui font des choses. Il y a tellement de gens qui parlent et qui font rien que quand il y a des gens qui font, il faut les c'est aider. Important. Voilà. Voilà. Et raison de plus, aujourd'hui, on est là. Et voilà. Pour quelle cause ? Voilà, Eric c'est ça. Molina. Eric Molina qui a fait un album en live, qui s'est vraiment cassé pour faire ça. Et, sur lequel tu interviens ? Voilà, j'interviens un petit peu, mais j'ai surtout mixé l'album. Enfin, j'ai fait ça à la maison puisque j'ai les machines pour ça. D'accord, tu as ton propre studio. Voilà, j'ai mon propre studio et c'était un beau projet qu'il fallait porter un peu. Quoi. Alors, il y a quelques minutes, justement, nous avons tourné le clip du grand titre phare de cet album. Voilà. Il y a quelques minutes, Eric nous parlait de toi et te remerciait de ton intervention. Bah, écoute, il en rajoute toujours un peu parce que franchement, je n'ai fait que mixer. Mais écoute, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Non, mais c'est important, c'est vrai, mais... La personne qui a l'origine, c'est lui qui a mis l'énergie, c'est pas moi, c'est le concepteur du projet, il a vraiment rassemblé les gens et c'est difficile. Ensemble. Voilà, c'est ensemble, refrain. C'est ça, c'est ensemble. Refrain, justement. C'est difficile et il faut de l'énergie, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est important de se bouger et d'arriver au bout de quelque chose. Oui, parce que d'avoir un projet, c'est bien, comme tu le dis, voilà, mais si on ne fait qu'en parler et qu'on ne le met pas, exactement. Sur le bout de la platine, eh bien, voilà. Ça sert à rien. Tant que c'est pas dans les bacs et que ça passe pas à la radio, t'as rien fait encore. Tout à fait. Alors cet album sort au mois de mai. Au mois de mai. Hein, donc il part au pressage la semaine prochaine, voilà. Disait-il. Hein, et donc au mois de mai, eh bien, les gens pourront acheter cet album. C'est ça. Et en plus de ça, il nous a donné un petit scoop. Et à mon avis, tu seras aussi de la fête. Hein. Voyez-vous ça. Eh bien oui, alors si t'es pas au courant, je vais te dire tout de suite. C'est terrible. Eh bien, l'idée, ça serait justement de faire... un live, ah bah oui, DVD, c'est... et le mettre en image. Voilà, le live est obligatoire maintenant. Le live amène les ventes, plus que la promo radio et télé. D'accord. C'est vraiment le live qui amène... Bon, dis-moi, tu nous donneras un coup de main. Ah bah oui, moi, forcément. Moi, je l'ai promis de l'aider, donc tu feras... Juste une apparition derrière le rideau. Voilà, ça c'est tout, Jeff. Voilà. Travail non, de mais en fait, les gens ne sont pas importants. C'est le résultat. Voilà, il y a plein de gens qui travaillent, on n'a pas forcément à mettre sa figure devant. Je veux dire, à la limite, j'aurais arrangé, machin, j'aurais pu, mais j'ai juste mixé. Quand Bob Clearmountain mixe un album de Michael, tu le vois pas sur scène. Je veux dire, c'est vrai. Mais enfin, c'est un travail quand même. Mais quand non, mais on peut rencontrer des gens comme importante. Toi... C'est vrai que j'apporte une caution, mais oui. Mais bon, c'est pas bon. Dis-moi, Jay, et toi, ton actualité, demain, c'est quoi ? Alors, je suis sur plein de choses en même temps, en fait, parce qu'on m'appelle... Là, j'ai travaillé pour la Biennale de danse qui s'est passée... à l'Atrium, là. Atrium, donc j'ai une créa avec Christian. Voilà. J'ai une créa pour Christian Emmanuel avec qui je travaille depuis 3-4 ans. Ouais. Et puis j'ai le prochain album d'Extrême qui est en cours. Enfin j'ai plein de choses. Oh, comme t'as ça. Plein de choses. Oui, j'ai un album de hip-hop rock avec un des gars qui a participé sur l'album d'Eric qui s'appelle Rachid. Enfin on a 2-3 trucs en cours.
D'accord. Mais en fait, je travaille beaucoup pour les autres, j'ai pas trop le temps de travailler pour moi. Donc c'est... Oui, mais tu te fais plaisir pour les autres, puisque. Ah oui, plus, oui, non, mais. Je fais tout très sérieusement. Des colorations musicales très différentes, voilà. Suivant justement les gens que tu côtoies. Mais je vois pas, j'ai une vue globale de la musique, j'ai pas le nez sur la feuille. Il faut avoir une vue générale des choses, c'est-à-dire qu'il faut pas être cantonné à un style ou. Il faut appréhender les choses de loin. Il ne faut pas rester dans des cases. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment avoir une largeur d'esprit, et c'est voilà. Ce que tu as. Merci. Jeff, je te remercie. Ben, merci à vous. Parce merci que beaucoup. Et vous puis, êtes aussi important que moi dans le trajet. Non, mais c'est vrai. Non, mais nous, on l'image pas est aussi importante. On ne s'est pas mixé. Eh oui, mais chacun, c'est le rassemblement des éléments qui donne des choses construites. Je crois que c'est tout le monde ne peut ça. Pas tout faire. Quoi. C'est tout à fait ça. Voilà. Merci encore. Merci à très vous. Bientôt. Et puis, ensuite, ton actualité. Hein. D'accord, pas et de problème. N'oublie pas, tu viens vers nous si okay. Tu as besoin. D'accord, je vous fais signe. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt sur bellemartini.com. D'accord.